Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est sur le stand ILEX au salon de Clermont-Ferrand en 2009. Oui. Tout d'abord, peux-tu te présenter pour les internautes qui ne connaissent pas ou qui connaissent? Alors, je suis testeur ILEX, je m'appelle Mathieu Schellner, j'ai 19 ans. Donc, je suis dans ILEX depuis 4 ans maintenant. Je pêche essentiellement le black bass. Bon, je suis aussi au niveau brochet, perche forcément. Parce que c'est tout carnassier. C'est ce qu'on a principalement, donc ouais, tout carnassier confondu. Je pêche depuis l'âge à peu près de 5 ans. T'as quelques donc, produits ouais, je vais vous présenter ce que je préfère et puis les nouveautés de cette année. D'accord, ça marche. Alors, dans les nouveautés de cette année, alors très efficace aussi bien pour le brochet que le black bass, donc c'est le Super Freddy. Donc l'année dernière, on l'avait fait en deux parties. Ouais. Et cette année, on l'a séparé en trois, on lui a rajouté des nageoires, on a augmenté le poids pour obtenir une nage beaucoup plus imitative en fait que l'année dernière. Donc, après, on a développé une marque de leur soupe aussi, enfin une gamme de leur soupe plutôt. Ouais. Des leurres assez simples, hein, des virgules, des choses comme ça, avec de l'attractant. Et... intégré dedans ? Ouais, exactement. Donc, après en jerkbait, des leurres pour la perche ou pour le black bass ou même des fois le brochet aussi malheureusement, hein, parce qu'on a souvent l'occasion de se faire couper, c'est clair. Faut le dire. D'accord, voilà, le Colt Minnow 80. D'accord. Donc en suspendu. Ouais. D'accord. Donc ça nage à peu près entre 10 et 50 cm de profondeur. Donc ça. Après pour le brochet ou le bar. Max Squat 115. Donc en eau douce malheureusement on est obligé d'enlever un trip. C'est la loi française, c'est comme ça. Tu privilégies quel trip à enlever? Celui-ci. Celui de l'avant? Ouais, celui de l'avant. Mais ça dépend en fait de... tout dépend ce qu'on veut obtenir après en suspending. Si on préfère qu'il soit comme ça, d'accord. On enlève celui-là. Quoi. Et si on préfère qu'il soit comme ça, on enlève celui-ci. Tout dépend. Moi, j'ai tendance à prendre celui-ci. Quoi. T'as pas peur pour l'attaque du brochet? Si, c'est vrai que c'est un risque à prendre, mais c'est le problème de la loi française. Quoi. On peut pas... ou alors, il faudrait que nous, on trouve une solution pour intégrer une solution. Le problème sur ces gros jerks, voilà. Exactement, c'est qu'on est obligé, quoi. On n'a pas le choix. D'accord. Là, c'est du couleur. Okay. Et après, on a l'éternel shad. Ah oui, c'est le genre de leurre difficile à détruire, quoi. Même le brochet, je pense qu'il aurait du mal. Quoi. Donc voilà, c'est un leurre assez simple, c'est un simple shad. Oui, monté sur Niveau, par exemple. Exactement, ouais. D'accord. Mais on peut s'en servir aussi en linéaire comme un swim bait pour le brochet, c'est très efficace. Quoi. D'accord. Au sand, barre ou brochet. Quoi. Bon, après, je dis pas hein, si vous prenez des perches. Ah, ça fait. C'est pas parce que je le dis pas que ça arrivera pas. Hein. Donc voilà. Et là, qu'est-ce que tu nous présentes en dessous là? Alors. Donc ça c'est les nouvelles formes de Freddy de cette année, beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant en fait, et puis des formes beaucoup plus effilées. Ouais. La finition a été modifiée aussi. Et on a, enfin, le problème qu'on avait des queues en fait qui partaient l'année dernière, ouais. On avait un gros souci, c'est qu'elles partaient au fur et à mesure. Du coup maintenant elles sont imprégnées dedans. Bon, malheureusement on ne peut plus les changer, ouais. Mais maintenant elles partiront plus, quoi. Il n'y a plus de risque si on achète. Ouais, c'était un peu le problème. Voilà, c'était le problème qu'on avait, on a modifié ce souci, donc ça arrivera plus. C'est ça qu'ILEX vendait des queues. Des queues à part pour modifier. Bon, c'est sûr l'idée était bonne, mais le problème c'est que ça partait. Voilà. Ouais, et puis quand on achète un leurre, on veut bien que ça fonctionne et qu'il n'y a rien à retoucher dessus. Voilà. D'accord. Pèse combien celui-là? C'est 60... 80 grammes. 80 grammes celui-là? Ouais. Ah ouais, ça fait. C'est du big bait. Ah ouais, là c'est bas comme il faut. Là. D'accord. Ok, ça marche. Bon, bah, voilà. Mathieu, merci. Et puis bah, à la prochaine. Merci à vous.